Ce mois d'avril, déjà bien entamé, oui, je suis d'accord, il est déjà bien entamé. Mais moi, j'aime faire les tirages quand je baigne dans l'énergie du mois. Donc, ce sont des tirages courts, des lectures intuitives qui sont dans l'instantané et qui représentent hein, ce que vous êtes en train de vivre pour ce mois d'avril. Nous sommes le 14 aujourd'hui, au moment où je fais ce tirage. Voilà, je me suis donné pour objectif de les livrer avant dimanche. Donc, voici ce que je vous invite à regarder ou ce qui vous est invité à regarder, bien entendu. Et comme à mon habitude, j'aime vous dire que si ça ne vibre pas, eh bien c'est que peut-être ce n'est pas le sujet qui s'invite à vous. 8 d'épée. Êtes-vous pris dans un mode réflexif qui tourne en rond? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui fait que ça occupe votre esprit au point de vous empêcher de prendre une décision ou d'être enfermé dans une pensée qui vous semble irrationnelle ou qui ne trouve pas justement d'appui sur votre réalité? Peut-être qu'on a quelque chose qui vient là s'inviter et qui est en lien avec votre désir de alors là, carrément, protéger, satisfaire, représenter cette reine de Pentacle qui est la nourricière, la protectrice. Hein, c'est cette représentation-là qu'elle invite ici. Donc, c'est comme si quelque chose viendrait vous empêcher de vous sentir suffisamment sécurisé dans un principe financier, par exemple, dans un principe d'organisation, de projet qui prendrait sa place correctement, hein, de maîtrise des choses que je mets en œuvre. C'est ce qu'elle représente, cette reine de Pentacle. Et donc, vous êtes préoccupé dans cette démarche-là, dans ce rôle, dans ce positionnement, et peut-être que vous vous sentez finalement un peu inconfortable en ce moment. Alors que vous avez toutes les compétences requises, vous avez exactement ce qu'il faut, vous savez faire. Donc, j'aurais presque envie de dire, c'est comme si vous avez des préoccupations mal placées, qui n'ont pas de justification. Et si elles tournent encore dans votre esprit, si vous vous posez la question, comment je vais mettre ça en place? Comment je vais m'y prendre? Est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce que je vais alimenter le système tel que je considère devoir le faire. Ce sont des préoccupations, peut-être, qui vont occuper votre esprit à tort, parce que je ne vois pas ici, moi, quelque chose qui viendrait corroborer ce système de pensée. On va aller regarder cette carte conseil qui s'adresse un peu à l'inconscient, qui s'adresse à l'âme. Donc, laissons venir. Regardez. La joie. Je célèbre ma joie, je ris et souris à la vie, je souris à la vie. Et voilà, elle sourit à la vie, tout va bien, la magicienne œuvre, elle sait faire, hein, elle a la maîtrise, elle gère ses émotions, elle gère ses moyens, elle gère son habileté, ses compétences, tout est, je dirais, dans l'ordre des choses, tout va bien. Peut-être, on pourrait peut-être aussi dire, hein, parce que ça pourrait s'adresser à un autre profil qui serait dans une situation où j'ai vécu une situation très très floue et maintenant ça se met en place. Ça y est, j'ai compris et je me réjouis. Je suis dans la joie d'avoir dépassé ça, de m'être prouvé que je suis à la hauteur. C'est ce qui apparaît hein, dans ce tirage pour cette partie du mois. Si vous êtes en résonance avec ça, eh bien vous avez une belle confirmation par le hasard de la vie qui s'offre à vous. Si vous n'êtes pas du tout en résonance, que ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire, ça voudra peut-être d'autres éclairages. Ça vous ouvrira d'autres éclairages. Si je parlais avec des phrases complètes, ce serait mieux. Voilà, j'espère que ça vous éclaire un petit peu. Je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye.